Fréquence protestante. Philippe Bilger. Philippe Bilger les soumet à la question. François Sureau, auriez-vous la gentillesse de vous présenter ? Alors, je m'appelle François Sureau, je suis né à la fin de la 4e République en 1957. Pierre Pflimlin devait être président du Conseil. Je suis né dans le 14e arrondissement de Paris. Ensuite, j'ai eu une vie déplorablement classique. J'ai fait des études supérieures. Je suis sorti de l'École nationale d'administration. Je suis rentré au Conseil d'État. J'en ai démissionné. Après diverses aventures, je suis devenu avocat, métier que j'ai exercé comme avocat à la Cour pendant près de 20 ans. Et je suis maintenant, depuis 5 ou 6 ans, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Je vous sais d'autant plus gré d'avoir accepté mon invitation que depuis quelques mois, voire depuis quelques années, on vous entend et on vous voit partout. Qu'est-ce qui fait que tout à coup, François Sureau est devenu cet être tellement désiré ? Je crois que ça en dit plus sur le caractère atonal de l'époque que sur mes qualités propres. Et je dirais sans coquetterie que j'en suis le premier surpris. Au fond, ce qui me frappe, c'est que... l'esprit de controverse, et j'espère qu'on peut encore avoir des controverses intelligentes, l'esprit de controverse me paraît assez largement avoir déserté l'espace public au bénéfice d'un esprit de condamnation réciproque. Et c'est vrai que depuis quelques années, sur des questions de liberté, par exemple, de liberté publique, de droit constitutionnel, ou sur des questions d'asile, j'essaye, simplement parce que je me suis senti requis par ça. J'étais pas tout à fait prêt à ça. J'essaye de faire entendre les réflexions que m'inspire une époque que je trouve à la fois binaire et confuse. Et peut-être que cette idée consistant à essayer de concilier l'inconciliable dans le respect d'une tradition nationale des libertés publiques est une idée qui dit quelque chose aux gens, peut-être. Enfin, je l'espère, en tout cas. Mais c'est également l'écrivain dont on parle beaucoup. Et bien sûr, je n'évoque pas seulement votre dernier livre totalement atypique, L'or du temps, mais plus généralement vos petit livre, sans aucune nuance péjorative, sur des thèmes personnels ou judiciaires ou reliés aux libertés publiques. Je suis le plus mauvais commentateur de ce que j'ai écrit, mais au fond, quand je les regarde maintenant à distance de temps, dans tout ça une espèce de... au fond d'interrogation à la fois morale et historique. Je crois que Stevenson avait raison quand il dit dans ses écrits sur la littérature qu'il n'y a pas de grande littérature sans... Non pas que la mienne soit une grande littérature, naturellement, mais en tout cas, il n'y a pas de désir d'une grande littérature sans un influx moral. Gide a fait beaucoup de mal quand il a dit on ne fait pas de bonne littérature avec de bons sentiments. D'abord, on n'en fait pas nécessairement de bonne avec de mauvais sentiments. Et puis, c'est vrai qu'il vaut mieux pas écrire des livres pieux qui, comme on sait, sont écrits par le diable. Mais il n'en reste pas moins que il y a quelque chose, à mon avis, il y a dans la littérature quelque chose d'un... Pour moi, en tout cas, quelque chose d'un désir du bien, qui rencontre d'ailleurs le désir du beau, mais il y a quelque chose d'un désir du bien, de l'homme plongé dans des circonstances historiques qui paraissent le dépasser. Et depuis le premier livre que j'ai écrit, qui racontait l'histoire d'un secrétaire de Clémenceau, jusqu'à des livres plus récents où j'ai raconté certaines expériences personnelles, la question du trouble de la conscience, dans son rapport avec... d'une certaine manière, l'idée d'une vie rêvée, l'idée de la vie de fiction, l'idée de la vie de création, cette idée du trouble de la conscience est une idée qui m'accompagne. Alors, par rapport à ça, il y a deux manières de faire, ou bien il y a un débat qui est aisément, qu'on peut aisément décrire, comme dans L'obéissance, le voyage de la guillotine pour aller guillotiner un condamné à mort au moment de la Première Guerre mondiale, ou dans Le chemin des morts, l'idée d'une aventure personnelle qui m'est arrivée quand j'étais juge administratif. Ça, ce sont des choses qu'on peut enfermer dans une boîte, et puis dont on essaie de parler, dont on essaie de rendre la couleur morale, si je peux dire.
Puis il y a autre chose qui est le livre que j'ai écrit là, L'heure du temps, qui est plutôt, lui, une sorte d'exercice existentiel, c'est-à-dire raconter, au fond, ce que représente pour moi ce pays dans lequel je suis né par hasard, par une sorte d'écriture au long cours qui ne se laisse pas enfermer dans un seul dilemme moral particulier. Avant d'arriver, François Sureau, à ce qui me frappe énormément chez vous, c'est la multiplicité de vos personnalités et de vos appétences. Est-ce qu'au fond, il n'y a pas déjà une constante chez vous qui est très étonnante? Je vous perçois comme un homme d'engagement et en même temps comme un être totalement désengagé. Est-ce que je me trompe? Ah non, vous vous trompez absolument pas. D'abord, j'ai toujours eu du mal à parler de moi, mais ce qu'on décrit comme mes multiples vies sont également le... Enfin, comment dire, c'est très souvent le récit de ratages successifs. Et quand je dis qu'on a un homme, on apprend plus de l'échec que de la réussite, je suis assez convaincu de ça. C'est-à-dire que je suis rentré dans la fonction publique pour laquelle je n'étais nullement fait. Je n'ai pas été un membre du Conseil d'État exceptionnel. J'ai été un avocat à la Cour d'appel tout à fait moyen. Et j'ai été un avocat au Conseil d'État qui a pu faire entendre sa voix parce que le hasard m'a fait rencontrer un certain nombre de problématiques constitutionnelles ou liberté publique. Mais au fond, le sens profond de ma vie a toujours été la littérature. Et pour le reste, j'ai eu la chance de pouvoir m'orienter au fil du temps dans une vie assez multiforme, mais qui n'a jamais été marquée par des réussites particulières. Je n'aurais jamais été ni un grand conseiller d'État, ni un ministre, ni quoi que ce soit. Je n'aurais jamais réussi dans aucune carrière profane. Et la seule carrière qui, à mes yeux, importe, qui n'est d'ailleurs pas une carrière, qui est plutôt une vocation, qui est la vocation littéraire, dans celle-là, au moins, on ne sait jamais si on a réussi ou raté. Donc je disais ça simplement pour dire qu'au fond, ma vie est multiforme, mais c'est la vie de, au fond, c'est la vie de quelqu'un qui aura voyagé à l'intérieur de son temps sans jamais y réussir de manière particulière. Et puis il y a ce que vous dites sur l'engagement et le dégagement, c'est tout à fait juste. C'est-à-dire que Gracq, quelque part, quand il compare Junger à Sartre, distingue les auteurs de l'acceptation et les auteurs de la révolte. En réalité, je suis substantiellement dans mon tempérament quelqu'un qui est porté à l'acceptation. Acceptation de l'ordre, même dans ce qu'il a d'injuste. Acceptation de la vie, avec ses tourments, avec ses joies, très éloigné du militantisme ou de l'indignation. Donc la pente naturelle de ma vie est d'une certaine manière l'acceptation. Ça peut comporter autant de mauvais aspects que ça en comporte de bons, mais quand je la regarde, je me dis que c'est une pente naturelle. Et puis de l'autre côté, il y a le fait qu'à certains moments, cette tendance chez moi à l'acceptation se heurte à des choses qui me paraissent mettre en danger quelque chose de très profond, quelque chose qui est à la fois intime et de l'ordre du politique, et qui a trait par exemple à la figure de la France en tant que terre d'asile, ou au respect prééminent et absolu de la liberté individuelle, fût-ce au prix d'un certain nombre de risques, d'erreurs, ou même de violences. Et là, d'une certaine manière, mon acceptation cesse de manière assez mystérieuse. Je voudrais ne pas négliger, parce que je crains de les oublier au fil de notre entretien, deux univers capitaux pour vous de discipline, voire de mon point de vue disciplinaire, l'univers militaire et une certaine conception de la religion. Est-ce que d'abord ne sont-ils pas reliés et en quoi structurent-ils profondément votre être ? Alors assez curieusement, pour moi, ils ne sont pas reliés du tout, ils sont même absolument antagonistes. Ignace de Loyola, dans une lettre que j'aime beaucoup, dit à propos de son père et de son frère, qui avaient tous les deux embrassé la carrière militaire, « Dieu fasse que ce à quoi ils ont consacré leur vie n'ait pas été pure vanité. Ce qui existe en moi d'absolutisme religieux, enfin je veux dire de sens sérieux du message évangélique, me conduit à considérer comme autant d'idoles tout ce à quoi les hommes passent leur temps à s'occuper, enfin à traiter, et que ça soit la nation, l'armée, l'État, la justice, voilà. Il y a chez moi une conception instinctive et absolument libératrice de toute forme d'institution terrestre dans le message évangélique.
Je suis un aussi mauvais chrétien qu'on peut l'être. J'adorais cette phrase d'Alan Bloom, qui était le métropolite orthodoxe de Londres. Il était interrogé à la BBC et quelqu'un lui dit « Mais enfin quand même, Monseigneur, en tant que chrétien, il dit n'importe quel chrétien conscient devrait avoir honte simplement de s'entendre accoler ce qualificatif. » Donc je dis ça pour un peu relativiser ce que je peux dire sur ce terrain. Mais en tout cas, pour moi, l'aspect religieux, l'aspect de la vie spirituelle, l'aspect de la vie personnelle, c'est tout le contraire de toute institution. C'est une considération pour les personnes seules, l'exercice du pardon individuel, penser absolument contre soi-même, et quelque chose qui est, au sens propre, véritablement, même si c'est incarné, quelque chose qui relève d'un autre monde. En revanche, l'aspect militaire est pour moi quelque chose que j'ai beaucoup aimé, notamment dans mes années de service à la Légion étrangère, et qui a à voir à quelque chose de différent, qui n'est pas relié à la transcendance, mais qui est plutôt relié à la conviction que j'ai toujours eue de l'égalité des personnes. Alors vous me direz que ça peut avoir un aspect religieux également. Assez curieusement, bien que je sois porté, comme je le disais, à l'acceptation, l'ordre social m'est toujours apparu injuste, je crois. Je n'ai jamais trouvé normal que certains, justifiable, que certains se trouvent en haut du panier, moi par exemple, eu égard au hasard de ma naissance, et d'autres en bas. La notion d'égalité des conditions, d'une égalité métaphysique des conditions, est une idée qui m'est extrêmement proche et extrêmement présente. D'une certaine manière, comme beaucoup de Français, j'ai découvert cette idée à l'armée, au moment de mon service militaire, en me rendant compte que des gens qui n'avaient pas du tout bénéficié des mêmes facilités que moi valaient mieux que moi, à la fois en course à pied, en topographie, en instruction militaire générale, et ainsi de suite. Et au fond, ce que j'ai toujours aimé dans l'armée n'est pas les drapeaux qui claquent au vent, l'atmosphère des opérations extérieures, etc. C'est plutôt cette idée d'une restitution dans les ambiances difficiles et dans des conditions difficiles de cette égalité des conditions qui est quelque chose à quoi je crois profondément. Et en même temps, vous niez pas, François Sureau, l'heureuse inégalité des dons, des mérites et des talents. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Et d'ailleurs, je pense que l'un des Simon Leys disait ça très bien dans son dernier discours à Canberra. L'un des grands défauts de la démocratie contemporaine, c'est de prétendre étendre l'idéal démocratique d'une égalité du sujet politique à des domaines où elle n'a rien à voir, par exemple l'inégalité des talents intellectuels ou l'inégalité de choses de ce genre. Mais d'une certaine manière, je trouve que notre société, a trop souvent tendance à trouver des grandeurs naturelles, pour parler comme Pascal, là où elles ne le sont pas. C'est-à-dire, je suis tout à fait prêt à les reconnaître et à les distinguer des grandeurs d'établissement, il faut encore qu'elles soient incontestables. Une part de l'imposture de la société consiste à nous faire passer pour des grandeurs naturelles des choses qui ne le sont pas nécessairement. Pensez-vous que votre vision de la religion vous est spécifique ou la retrouvez-vous véritablement dans l'esprit chrétien ? Lorsque, au fond, vous donnez à votre vision un tour librement critique, j'y relève presque quelque chose du protestantisme plus que du catholicisme. Alors, c'est une vraie question. D'abord, il est sûr que la moitié de ma famille, ma famille maternelle étant protestante, j'ai certainement subi une certaine empreinte de ce côté-là. Mais cette empreinte s'est développée à cause de l'influence des jésuites qui ont beaucoup compté pour moi. Au fond, c'est très paradoxal, le jésuitisme, si je puis dire, puisque Ignace, qui est quand même l'artisan absolu de la contre-réforme, était beaucoup plus proche des réformateurs qu'aucune personne de son temps. Il y a un passage absolument extraordinaire de l'autobiographie, où Ignace explique qu'au moment où il avait des troubles de conscience, des scrupules, quand il était à Manresa, il va consulter tel grand docteur de l'époque qui lui raconte des carabistouilles. Il y a une espèce de note de bas de page absolument sidérante qui est « Dès lors que Dieu parle à une âme, il ne faut laisser personne s'interposer », ce qui est quand même pour le doctrinaire de la soumission absolue à l'ordre de l'Église, quelque chose de tout à fait étonnant. Et je partage cette idée. Il y a là encore des fausses oppositions et des oppositions binaires. Vous savez, même Thomas d'Aquin disait que la conscience étant au fond
la conscience individuelle étant au fond la trace de Dieu à l'intérieur de nous-mêmes, si la conscience d'une personne lui dictait cette idée qu'il ne faut pas croire en Dieu parce que Dieu n'existe pas, il vaudrait mieux suivre sa conscience plutôt que de faire l'inverse. Thomas d'Aquin, qui n'est pas un réformateur fou au sens du XVIe siècle. Et donc, à la fin des fins, il me semble, et je ne dis pas ça par œcuménisme cucu, mais il me semble que cette idée, là aussi, de la liberté absolue de la personne dans sa détermination face à sa destinée spirituelle est quelque chose d'absolument fondamental. Le reproche qui a pu vous être fait, François Sureau, et de manière très superficielle d'ailleurs par moi-même à une certaine époque, est le suivant. Est-ce que votre passion des libertés publiques incontestables ne vous conduit pas à avoir, comment dirais-je, une sorte de vision sulpicienne de la société et à aimer tellement la liberté qu'au fond, vous placez l'exigence de sécurité au dernier plan ? Ah, c'est une question absolument fondamentale, en fait, et qui est très très difficile à traiter, je trouve. D'abord, il faut s'entendre sur ce qu'on appelle liberté. Par exemple, ça vous surprendra peut-être, mais autant je suis un fanatique du système des libertés publiques, autant je ne suis pas un fanatique de la société des droits. Si par liberté, on entend simplement le droit de chacun de mener sans considération de la vie sociale l'existence qui lui convient, alors je n'y suis pas favorable. Ça, c'est le premier point. On vit dans une époque qui a tendance à confondre simplement peut-être parce que l'idée du salut individuel, comme l'idée du salut collectif au plan politique, ont également disparu. On vit dans une société qui a tendance à confondre la liberté avec l'exercice d'une sorte de droit individuel de jouissance ou de droit communautaire de jouissance, acquis sur l'ensemble de la société elle-même. C'est une idée que je ne partage pas du tout. Donc ça, c'est le premier point. Il faut savoir sur ce qu'on aime quand on aime la liberté. Et pour moi, ce qu'on aime quand on aime la liberté n'est certainement pas l'idée de se préoccuper de sa liberté individuelle sans considération de celle des autres, ni sans considération de l'ordre en général, qui seul peut garantir l'exercice des libertés individuelles. En revanche, et ça c'est le deuxième point, je suis sensible, et j'ai toujours été sensible, au risque qu'une option exclusivement sécuritaire pouvait faire peser sur ce qui est pour moi le moteur même, la chaudière vivante de la civilisation occidentale, c'est-à-dire une confrontation des intérêts, des passions et des opinions qui soient au besoin violentes. Ça, c'est une question absolument... Enfin, je trouve que ce qui nous caractérise dans l'histoire, c'est cette idée que le jeu de la liberté, en réalité, pouvant même conduire à l'émeute, à des tas de choses extrêmement pénibles, qui sont comme le prix à payer pour la liberté, que le jeu de la liberté était ce qui nous permettait progressivement de construire une société plus juste et plus humaine. Et c'est là où je rencontre une véritable difficulté, c'est que pour assumer ça, il faut être prêt à payer le prix de la liberté, au besoin par une diminution de la sécurité, mais il faut pouvoir considérer aussi que ce prix que l'on paye est un prix payé pour la réalisation d'un avenir meilleur, d'un futur meilleur. Ce qui me frappe à l'heure actuelle, et la difficulté d'ailleurs dans laquelle sont les défenseurs de la liberté, je trouve de manière générale, c'est de défendre la liberté dans une société qui a massivement cessé de croire, ou qui paraît avoir massivement cessé de croire, à l'édification d'une société globalement meilleure par l'exercice des libertés. Voilà. Et c'est une très très grande difficulté. J'ajoute qu'il y a un point qui tient au fait que sur le plan philosophique, je suis assez anglais là-dessus, c'est que je trouve que le couple liberté et sécurité n'en est pas un pour moi, dans la mesure où, enfin n'en est pas totalement un, dans la mesure où les Français font l'impasse sur le tiers. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, dès lors qu'on accepte de limiter sa liberté dans l'intérêt de la sécurité, ça veut dire qu'on délègue une partie de l'usage que l'on peut avoir de sa liberté à un tiers, que ce tiers soit le gouvernement, le parlement ou le juge. Et personnellement, je ne partage pas du tout l'idée rousseauiste et naïvement républicaine que ce tiers soit neutre. Je crois qu'il ne l'est pas. Et donc, je serais assez anxieux de voir une population déléguer une part de censure de sa liberté à un tiers qui, pour moi, n'est jamais neutre par nature. C'est une impasse que les Français, on le remarque, font le plus souvent. C'est-à-dire, par exemple, prenez les discours de haine. C'est pas bien les discours de haine, mais on dit la loi Avia est une excellente loi, parce que les discours de haine, c'est horrible. C'est un exemple assez topique, je trouve. Et donc, il faudrait réprimer les discours de haine, donc on va confier à un juge le soin de réprimer les discours de haine. Ça pose deux problèmes. Le premier problème, c'est que, au fond, ça pose le problème de l'avant et de l'après. Pour ma part, je préfère que le discours de haine s'exprime
et qu'ensuite, s'il appelle à la haine raciale, à la provocation au meurtre, etc., il soit réprimé par le juge pénal compétent, ça me paraît pas du tout choquant. Mais ce que je ne voudrais pas, c'est qu'il ne soit jamais en situation de s'exprimer par le biais d'une censure a priori. Car à ce moment-là, la force des arguments du bien disparaît en même temps qu'on pousse les arguments du mal sous le tapis, et ceci me paraît contraire à l'idée de l'édification d'une société juste dont je parlais. La deuxième chose, c'est que la délégation qui est faite de la censure, alors soit dans la loi Avia à des sociétés privées, ce qui est évidemment absurde, mais même à un juge, pose la question de la liberté d'appréciation du juge lui-même sur ce qu'est une opinion haineuse ou non, et en tout cas, je suis très sensible au risque qu'il y a à exercer, à mettre en place cette délégation elle-même. Dans votre conviction, François Sirot, y a-t-il un peu du philosophe Alain, du citoyen qui se méfiait de l'État ? Oui, je crois qu'il y a une part de ça. C'est-à-dire, en tout cas, il y a dans la pensée d'Alain quelque chose d'un peu, comment dire, radical cucu, quoi, vous voyez, qui m'est assez étranger. D'une certaine manière, Alain se méfiait de l'État à une époque où il y avait guère de raison de s'en méfier. Il s'en méfiait sous la Troisième République, où il faut bien dire que l'État ne s'était pas montré extrêmement dangereux. Maintenant, je trouve que l'expérience du XXe siècle, sans pour autant comparer le régime sous lequel on vit à des régimes abominables, l'expérience du XXe siècle nous a rendu, devrait nous rendre assez méfiants sur ce qu'un État peut faire quand on lui laisse faire trop de choses. Et à cela, je suis sensible. Il y a aussi, paradoxalement, un désir de la pureté de l'État. Un rêve peut-être idéaliste d'un État mu par la vertu. Bah, vous le savez bien, vous avez consacré un livre au procès de Brasillac, qui s'appelle 20 minutes pour la mort, si je me souviens bien. Et dans ce livre, j'étais absolument fasciné par la description du commissaire du gouvernement, qui était l'accusateur public de l'époque, qui s'appelait Reboul. Alors le Reboul en question avait visiblement demandé la tête de toute une foule de résistants, et puis 4 mois après... après avoir prêté probablement serment au maréchal dans la période, 4 mois après, il se met à réclamer la tête des collaborateurs, et notamment la tête de Brasillac. Eh bien, d'une certaine manière, j'ai trop l'amour de l'État, aussi curieux que ça puisse paraître, pour trouver ça acceptable. Ce que je trouve inacceptable en l'espèce n'est pas qu'il réclame la tête des uns ou des autres, mais que ce soit le même homme qui réclame la tête des uns et des autres. Ma réticence à l'égard de l'État n'est pas une réticence poujadiste d'une certaine manière à la Alain, elle se fonde sur cette idée que pour moi, le représentant de l'État, qui est quand même quelque chose d'absolument considérable et dont l'existence garantit le libre jeu des libertés publiques et des droits individuels, que le représentant de l'État devrait être d'une certaine manière incontestable. L'histoire de France dans sa nature fait qu'il l'est assez rarement, et donc ceci m'amène certainement à une sorte de rétractation un peu personnelle, quoi. J'ai du mal à les prendre au sérieux toujours, quoi, quand je vois la manière dont ils se comportent. Au cours d'une année pas très éloignée, François Sirot, vous avez été désigné comme l'avocat le plus puissant de France par un magazine. Le classement vaut ce qu'il vaut, mais êtes-vous sensible à cette célébrité qui arrive par le biais peut-être d'appréciations professionnelles pertinentes? La puissance a-t-elle du sens pour vous dans ce domaine? Ah, pas du tout. Elle en a absolument aucun. Enfin, j'étais très content parce qu'on est content quand vos petits camarades disent que vous êtes plutôt pas trop mauvais dans le métier que malgré tout vous avez choisi. Et étant assez perfectionniste, j'essaie de le faire du mieux possible. Mais ça me laisse un peu pantois pour deux raisons. La première, et je vais vous en parler tout à fait franchement. La première, c'est que la notion de puissance n'a pour moi absolument aucun sens dans un métier qui est un métier de service à forte composante anarchisante et où on pense que il vaut mieux que la défense soit exercée parce que c'est la seule chose qui rend les condamnations licites d'une certaine manière ou simplement acceptables. Donc la puissance, non, sûrement pas. Et puis en deuxième lieu, je vais faire un aveu qui me condamnera sans doute. Je ne suis pas un vrai avocat, en réalité. Et au fond, j'ai beaucoup de respect pour les vrais avocats. J'ai beaucoup de respect pour des tas de confrères du barreau actuel. J'en avais beaucoup pour Badinter ou Bredin. J'en ai beaucoup pour Dupond-Moretti ou Temim. Ou Malka, ce sont de vrais avocats. Ce sont des gens qui sont prêts, d'une certaine manière, à tout sacrifier à la défense. Et je suis d'accord avec eux sur les principes. Je pense que tout accusé doit être défendu, etc., etc. J'ai énormément de mal personnellement, et ça en dit plus sur mes carences personnelles que sur le métier de la défense lui-même. J'ai beaucoup de mal à me voir dans ce rôle. Je ne peux défendre...
assez curieusement, je dirais que je ne peux défendre... Alors je sais bien, l'accusation est toujours injuste d'une certaine manière, mais je ne peux défendre que des innocents, des demandeurs d'asile qui demandent un titre et qui demandent à rester sur le territoire, des gens pour lesquels l'accusation me paraît tout à fait excessive par rapport à ce qu'ils ont fait, ou de manière générale, j'arrive à exercer mon métier plutôt dans le contentieux de la norme, c'est-à-dire en contestant telle disposition législative, parce que je la trouve contraire à la déclaration des droits par le biais d'une question de constitutionnalité. Mais il faut que je sois capable de m'investir complètement dans cette idée de la justesse de la cause, c'est-à-dire dans cette idée que si je réussis, eh bien, je devrais être totalement heureux d'avoir réussi. Heureux pour un motif d'intérêt général, pour un motif de bien commun. Et je pense que beaucoup d'avocats seraient heureux, à la fois pour le sport et parce qu'ils trouvent ça bien, au fond, et parce qu'il vaut mieux un coupable en liberté qu'un innocent en prison, je pense que beaucoup d'avocats exercent leur métier de manière parfaitement honorable avec cette idée qu'au fond, s'ils font acquitter un coupable, ça sera parfait. J'en serais totalement incapable. Je ne remets pas du tout en cause la pertinence de leur raisonnement propre, mais j'en serais tout à fait incapable, et c'est ce qui fait de moi, d'une certaine manière, un demi-avocat. Vous demeurez toujours citoyen, d'une certaine manière. Je demeure citoyen d'abord, en réalité. Et d'une certaine manière, si vous voulez, dans et sans que je me sépare en rien d'un métier que j'aime profondément, d'une certaine manière, j'essaye toujours de juger de ces questions, en particulier de liberté, d'une manière surplombante par rapport à ce jeu de rôle de la justice, où il y aurait d'un côté les méchants accusateurs et de l'autre les saints défenseurs de l'innocence. Ça ne me paraît pas être le sujet. Vous avez parlé, François Fureau, à une certaine époque, des gilets jaunes. J'aurais aimé savoir si vos considérations sur eux venaient d'une forme d'empathie pour une détresse sociale assez majoritaire, ou bien c'était à nouveau votre passion des libertés publiques qui a été choqué par le traitement qu'on leur a imposé. C'est un cas tout à fait inverse. C'est-à-dire que, d'abord, ça n'est pas mon amour des libertés publiques qui m'a fait, parfois prendre des positions compréhensives à leur égard. D'abord parce que, de même que je trouve que le droit d'asile se trouve méconnu lorsque un certain nombre d'associations envisagent de donner l'asile à tout le monde sans examen particulier des demandes, de même je trouve que la liberté de manifester, que je crois absolument essentielle, et j'ai beaucoup critiqué le gouvernement pour avoir essayé de la limiter par un filtrage individuel des manifestants plutôt que par le jeu d'interdiction générale, pour moi la liberté de manifester, que je crois absolument essentielle, n'est pas la liberté de jeter des boules de pétanque dans les abribus. La répression des émeutes, par exemple, me paraissait à bien des égards moins choquante que la restriction de la liberté publique de manifester. Ce ne sont pas les libertés publiques, en fait, qui m'ont fait parler parfois en leur faveur. Ce sont deux choses différentes et qui sont, au fond, l'une générale et l'autre personnelle. La première chose, c'est la constatation d'une certaine forme d'incohérence républicaine. Au fond, notre République est née de l'émeute. Elle a sanctifié l'émeute. Elle le fait encore. Après tout, notre fête nationale est le résultat d'une émeute qui s'est assez mal terminée pour un malheureux gouverneur et de pauvres Suisses Voilà. De la Révolution à la Commune, nous avons, parfois d'ailleurs à juste titre, j'ai pas rien contre ça, dans la mesure où même, je vous disais précédemment que pour moi, le jeu de la liberté entraînait parfois des conséquences de ce genre, nous avons une sorte de tendresse pour les émeutes conçues chez nous comme des actes fondateurs. Ce qui fait que, étant assez sensible, comme Berle l'était dans ce livre magnifique qui s'appelle « La France irréelle », étant assez sensible à notre aveuglement sur nous-mêmes, j'étais quand même très frappé du fait de voir que un système politique qui n'a que la République à la bouche, oubliant complètement les conditions dans lesquelles la République s'était fondée, se choquait qu'on vienne péter des statues. Mais après tout, on a bien profané les tombes des rois à Saint-Louis et tout le monde trouve ça très bien. Donc qu'on fasse péter maintenant les statues de la République ne me paraît pas plus choquant, dès lors qu'il existerait un influx populaire justifiable. La même position d'ailleurs
J'ai exactement la même position face au déboulonnage des statues. La République ayant une gestion absolument politique de l'espace public depuis très longtemps, répandant partout les boulevards Jaurès et les avenues Victor Hugo, bah, quand elle a commis l'erreur d'ériger des statues de fédères, mais quand l'état d'esprit politique de la majorité de la population change, ça ne me gêne pas du tout qu'on déboulonne les statues de fédères. Il n'y a pas d'avenue Winston Churchill en Grande-Bretagne, et il n'y a pas, et l'aéroport de Heathrow ne s'appelle pas Heathrow Winston Churchill, ce qui fait que personne n'aura jamais la tendance fâcheuse à les déboulonner. C'est-à-dire, il y a une inconséquence républicaine, si vous voulez, il y a une inconséquence de la classe politique dans le historique, dans le traitement des Gilets jaunes qui m'a frappé. Et puis, l'autre chose plus personnelle, c'était, ça va vous paraître complètement neuneux, mais comme tous les gens de ma sorte, j'avais fait un stage ouvrier, quand j'étais étudiant, et je faisais un stage ouvrier à l'établissement de fabrication d'armement de Bourges. On fabriquait des tubes, des tourelles de canon. Et donc, j'étais sur une équipe qui faisait Et je me souviens, c'est la seule fois où on m'a foutu une claque de ma vie parce que j'avais mal vissé un boulon et le chef d'équipe, qui était un ouvrier professionnel de l'État, de groupe 1, ça a disparu depuis quand on a réformé les statuts, comme j'avais mal vissé mon boulon, m'avait foutu une beigne en disant le jour où le soldat qui est dans la tourelle aura besoin de tirer, il ne faudra pas avoir mal vissé le boulon. Ça vous paraît très curieux, mais quand j'ai vu les gilets jaunes manifester, j'ai reconnu ce type-là, quoi. Et si j'ajoute à ça Griveaux expliquant que la France de la clope et du diesel, qui était à peu de choses près pour moi, la France de l'île de Sein, quoi, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout dans cette affaire. Et c'est ça qui a fait, par un sentiment, non pas de compréhension, je ne suis pas plus empathique ou compréhensif que quiconque, mais par... une sorte de respect de la France des simples gens, vous voyez, que j'avais connu dans ma jeunesse, de manière absolument fortuite, où je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, la classe technocratique que je vois au pouvoir depuis 20 ou 30 ans n'a guère de droit de faire la leçon à ces gens-là. Voilà. La liberté d'expression, François Sureau, vous avez évoqué la loi Avia, heureusement retoquée, si j'ose dire. Elle est en déclin ou non en France ? Ah bah je crois qu'elle l'est, mais elle l'est pas d'une manière simple. C'est-à-dire que je trouve que les amis des libertés publiques ont très souvent cette conception un peu héritée du 19e, où d'une certaine manière il y aurait un corps social innocent et des citoyens innocents brimés par un État coupable. Mmh. C'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'au fond, un État qui devient progressivement illégitime à ses propres yeux, incapable d'exercer une répression intelligente, si je puis dire, tend de plus en plus à s'ériger en arbitre des intérêts communautaires juxtaposés et en exécutant du politiquement correct général. Ce qui fait que dans un monde qui est assez guetté par l'incivilité, où on ne peut plus avoir une position personnelle sans se faire insulter aussitôt, etc. Dans un monde guetté par l'incivilité, où l'esprit victimaire est absolument partout, où le ressentiment est partout, où la haine sociale, où le sentiment de fâcherie est partout, bref, où le mécontentement est partout, alors il y a une forte demande de réduction de la liberté d'expression. Et cette forte demande trouve... un auxiliaire dans des institutions de l'État qui, d'une certaine manière, se mettent à ce moment-là à poursuivre, non pas pour faire respecter l'ordre public au sens où on l'entendait autrefois, mais simplement pour donner satisfaction à l'instinct victimaire des uns et des autres et trouver dans cette manière de lui donner satisfaction une légitimité qu'elle a perdue. Et ça me paraît extrêmement préoccupant. C'est-à-dire la mise au service des institutions de l'État, les institutions de l'État se mettant au service dans leur fonction répressive du caractère victimaire des personnes, me paraît extrêmement frappant. Ça m'a frappé. Il y a une institution dont j'ai découvert l'existence qui s'appelle la DILCRA, la Délégation Interministérielle de Lutte contre le Racisme, l'Antisémitisme, etc. Enfin, si on m'avait dit quand même qu'un fonctionnaire payé par Matignon convoquerait le président des éditions Gallimard pour lui intimer l'ordre de foutre des notes de bas de page universitaires au bas de la réédition des pamphlets de Céline, mais je veux dire, il y a 20 ou 30 ans, vous comme moi, on serait monté absolument au plafond. Mais non, ça passe absolument parce que c'est fait sur base de... Et Dieu sait que j'aime pas les pamphlets de Céline, par ailleurs. Ni même Céline en tant qu'écrivain, je dois l'avouer. Mais ça passe, et on voit bien se réaliser là cette espèce de conjonction où...
Un peuple inquiet veut de la sécurité par l'étouffement des opinions contraires. Des gens qui n'ont plus d'existence, qui n'ont plus d'État, comme on disait autrefois, retrouvent un État dans leurs conditions de victime et viennent solliciter l'État pour faire respecter éternellement leurs droits de victime. À la fin des fins, plus personne ne dira rien. François Sureau, j'en arrive à un point qui me passionne, comme les autres d'ailleurs. J'ai beaucoup lu sur le président Macron, sur François Fillon, et vous êtes partout, d'une certaine manière. Est-ce que cette manière très originale de vous impliquer, de vous situer dans des camps qui ne sont pas forcément antagonistes, mais tout de même différents, est-ce que ça n'est pas une manière élégante pour vous, confortable, de vous situer dans une sorte de surplomb et d'apparaître à la fois libre? J'ai lu ce livre sur François Fillon où vous n'hésitez pas à dénoncer, mais en même temps, vous êtes là, et puis vous pouvez être créer les statuts d'En Marche. Qu'est-ce que c'est que cette personnalité qui veut être partout, qui est totalement libre et qui, d'une certaine manière, se tient dans une position un peu confortable de surplomb? Alors, pardon pour cette question un peu longue. Hein, non, mais pas du tout. Mais alors, elle me permet de répondre de manière assez précise. D'abord, le premier élément, c'est que je n'ai jamais eu d'engagement politique général. Deuxièmement, il va de soi que j'en ai jamais eu pour en tirer un poste ou aller ici ou là. Mais j'ai jamais eu d'engagement politique général. À chaque fois que je me suis engagé dans des conversations avec des hommes politiques de ce niveau, ça a été pour faire prévaloir des idées que je croyais justes sur l'asile, sur les libertés, sur le droit des mineurs, donc des choses assez limitées comme ça. Les hasards de la vie ont fait que j'avais connu l'un puis l'autre, et donc quand ils m'ont demandé mon avis, j'ai pas hésité à le donner. C'est pas vraiment du surplomb. Et d'ailleurs, c'est une activité qui est assez décourageante puisque elle n'a produit aucun effet ni avec l'un ni avec l'autre. Puisque j'étais dans désaccord avec le programme de Fillon sur les questions qui me sont essentielles, et je suis en désaccord avec les réalisations de Macron sur des questions qui sont essentielles. Donc, au total, ça n'a servi absolument à rien. Mais je ne regrette pas d'avoir dit mon mot. Je pense que j'ai eu la chance, à cause des hasards de la vie, que des personnalités de ce niveau me demandent mon opinion et d'essayer de leur donner de manière plus convaincante que si j'avais écrit un article qui aurait été distraitement lu par quelqu'un qui ne m'aurait pas connu au préalable, vous voyez. Donc j'étais assez content, à certaines occasions, d'avoir eu l'occasion de dire ce que j'en pensais, mais ça va pas tellement, ça va pas tellement au-delà, en réalité. Vous avez dit à quel point la puissance était une notion absurde dans le milieu professionnel. Faut-il complètement écarter chez vous la très légère vanité ou peut-être même la volupté de côtoyer le vrai pouvoir pendant quelque temps, ou celui qui espère l'être? Alors je vais essayer de vous répondre très franchement. En fait, comment dire ça? J'ai l'impression personnellement d'avoir... à tort peut-être, hein. Vous savez que Rousseau pensait que sa meilleure œuvre serait Le Devin du Village, là, un opéra ridicule qu'il avait fait. J'ai l'impression d'avoir joué ma vie sur la littérature, et si on me disait que je suis vraiment totalement nul dans les lettres, là pour le coup ma vanité en prendrait un coup. Donc si vous voulez, je suis vaniteux comme tous les hommes, mais ça n'est pas dans ce type de choses que j'ai investi ma vanité principale. Ça, c'est le... Je crois que c'est le premier élément. Par ailleurs, c'est vrai que quand on est un simple quidam, qu'on n'exerce pas de fonction publique particulière et que un des responsables de l'exécutif vous appelle pour vous demander votre avis, on est évidemment assez flatté, surtout quand on aime bien l'histoire comme moi. Alors on s'imagine un peu de manière... Vous savez, c'est un peu Proust qui s'imagine que quand le duc de Châtellerault lui parle, c'est le même duc de Châtellerault que celui de la croisade, mais sauf que c'est pas celui de la croisade. Et là, le sentiment de vanité disparaît assez vite, parce qu'on se rend compte que, quelles que soient les qualités des uns et des autres, la classe politique me paraît avoir tellement baissé de niveau depuis que j'ai commencé à m'y intéresser, qu'on a assez peu l'occasion à la fréquenter d'en tirer de grandes satisfactions de vanité personnelle. Donc ça m'a jamais tellement... Mais en même temps, j'ai toujours été... Je me suis jamais désintéressé de la vie publique de mon pays,
Ou plutôt, j'ai commencé à m'y intéresser vraiment il y a une vingtaine d'années, ou une quinzaine d'années, parce qu'il me semblait que tout le socle sur lequel j'avais vécu et auquel je croyais, était un socle qui était en train de disparaître dans une sorte de confusion où s'abîmaient à la fois les institutions judiciaires, la démocratie représentative, la dignité dans l'exercice des fonctions publiques, la gueule, quoi, tout simplement. Et que tout ça était en train de partir et ça m'attristait. Et donc, de temps en temps, j'étais content quand on me demandait mon avis de pouvoir jouer le colonel Ronchon à l'égard de tel ou tel. Mais ça va pas tellement au-delà de ça. Au fond, vous partagez le sentiment que la classe politique est médiocre aujourd'hui. Ah oui, bien sûr, oui. Est-ce que vous ne craignez pas de favoriser ainsi, je ne parlerai pas de populisme, mais une espèce de dénonciation facile. Elle fait parfois ce qu'elle peut. Mais elle-même fait ce qu'elle peut, mais vous vous souvenez de la phrase de De Gaulle, répudiant le cadre mal bâti où s'égare la nation et se disqualifie l'État, qui était une phrase tout à fait intelligente. Comme souvent d'ailleurs, Jean Le Gaulle est beaucoup plus réaliste que ce qu'on pense, ce n'est pas juste un prophète. Je pense que la médiocrité de cette classe politique vient d'éléments techniques sur lesquels je suis frappé que nous ayons renoncé à nous interroger. Par exemple, je suis convaincu que le quinquennat, l'alignement des mandats, l'absence de scrutin intermédiaire, l'abolition du cumul des mandats, qui est une chose à quoi je croyais au départ, mais qui se révèle être une très mauvaise chose, plus une espèce d'obsession malvenue de la transparence tous azimuts, l'ensemble nous a privés d'une classe politique capable de rendre les services qu'une nation démocratique est susceptible d'attendre d'elle. Et donc, je trouve qu'ils font ce qu'ils peuvent et ils le font dans des conditions que l'évolution des institutions a rendues à peu près impraticables. Je ne crois pas que ça soit totalement leur faute. La classe politique de la 4e République, dans ses représentants, avait des qualités éminentes. Néanmoins, le résultat a été globalement assez lamentable et s'est terminé par une sorte de coup d'État larvé. Je crois que nous sommes dans une situation absolument analogue. Je prends un exemple, là, ce qui se passe sur... Il y a eu plusieurs crises, les gilets jaunes, les retraites, le Covid. À chaque fois, qu'est-ce que j'observe? J'observe que le président de la République ne fait pas le choix d'utiliser les institutions représentatives. Il ne dissout pas l'Assemblée nationale, il ne soumet pas clairement une question au référendum, ce qui était le contrepoids classique de l'exercice de la démocratie représentative. Soit il fait un tour de France des maires, soit il réunit une commission de 147 types tirés au sort. Dans tous les cas, le contournement de la démocratie représentative traditionnelle est absolument systématique. Alors, ça ne m'étonne pas, si on continue comme ça encore quelques années, en effet, on aura une classe politique qui sera tout à fait décourageante parce qu'elle aura été découragée. Pour dire encore un mot de François Fillon, François Sureau, après m'être trompé, d'ailleurs je l'admets, j'ai eu l'impression qu'on avait véritablement tendu un traquenard politique à François Fillon par le biais d'une justice hiérarchisée et sous influence. Est-ce que vous partagez ce sentiment ? J'en ai pas de... Ça pose une question très générale d'ailleurs. J'en suis pas absolument sûr et comment dire... Je trouve qu'il faut remettre ça dans un contexte plus général. Il me semble quand même qu'il y a en France depuis très longtemps, enfin peut-être depuis Saint-Louis, et peut-être est-ce lié en fait au caractère christiano-centré des institutions politiques françaises, une concurrence entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir non judiciaire, je veux dire exécutif et législatif mêlés, entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir politique au sens strict, pour la définition du bien commun pratiquement depuis le Moyen-Âge. Dans la mesure où en France le bien commun a à voir avec la justice, c'est pas tout à fait le cas dans d'autres pays, mais chez nous ça a à voir avec la justice de manière... Alors ça peut être la justice sociale, la justice en politique ou la justice individuelle au sens où la justice est rendue. Il y a très certainement une concurrence entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir politique. Cette concurrence court, on le voit bien à l'évidence de la totalité de l'Ancien Régime. Les parlements, d'ailleurs, font exploser ça en provoquant la Révolution française, qui, assez paradoxalement, voit le pouvoir judiciaire disparaître, puisque de la Révolution française, il y a 20 ou 30 ans, le pouvoir judiciaire est en réalité totalement tenu en lisière par le pouvoir politique, par un ensemble de moyens qu'on connaît, notamment le moyen principal étant le moyen conceptuel, consistant à dire que la loi et le droit positif priment absolument sur toute forme de droit naturel, où on ne contrôlera pas la constitutionnalité des lois, où le juge sera la bouche de la loi, et où on tiendra les magistrats par toutes sortes de moyens. Ceci est en train de disparaître. Sous nos yeux. C'est-à-dire que je pense que nous revenons à une situation qui, à certains égards, rappelle la situation de la fin de l'Ancien Régime, où au fond, il existe une concurrence pour la définition de la justice, au sens politique, au sens le plus profond du terme, entre la classe politique et la classe judiciaire.
Je pense que pour que ce combat ait lieu, il n'est pas nécessaire que la classe judiciaire soit instrumentalisée par le pouvoir politique. Je pense qu'elle peut, elle a suffisamment en elle-même les ressources pour juger, parfois à tort, de ce qui est juste et injuste, et de décider pour ce motif de poursuivre un homme politique. C'est la raison pour laquelle, et à mon avis, c'est la raison pour laquelle je suis réticent face aux thèses du complot, et où je pense plutôt que, investi, se sentant investi de cet extraordinaire influx moral qui est à l'œuvre de nos jours dans la société, le PNF ou d'autres parquets d'ailleurs, dans le cas particulier, ont pu prendre sur eux le fait d'assurer d'une certaine manière la propreté de cette élection en disqualifiant un candidat qui leur paraissait impropre. Alors, que ça ne soit pas possible, que ça soit discutable, que ça soit très discutable après une primaire, que ça puisse porter atteinte à la séparation des pouvoirs, ça ce sont des questions constitutionnelles sérieuses. Mais il n'est pas nécessaire pour arriver à ce résultat fâcheux qu'ils aient été, où est-ce que je veux dire, qu'ils aient été appelés par le conseiller Tartemolle de l'Élysée ou que le directeur des affaires criminelles agissant sur ordre leur ait expliqué qu'il fallait faire ceci ou cela. Ça n'est même pas nécessaire. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, pour moi, quand on aime les libertés, on ne peut pas se contenter de dire, comme on l'entend souvent dire à gauche, qu'il suffit que le parquet soit indépendant pour que les libertés soient assurées. Il faut qu'il soit indépendant et impartial. Et le cas échéant, il faut qu'il soit indépendant et responsable. Alors les Américains s'en tirent avec l'élection. Je ne suis pas absolument convaincu que l'élection soit une bonne chose. Mais en tout cas, c'est un vrai sujet. Car on peut tout à fait imaginer un parquet totalement indépendant, totalement déraisonnable et totalement politisé, décidant de confisquer, entre guillemets, l'élection présidentielle sans pour autant avoir reçu un ordre de l'Élysée. Vous observerez que cette question-là n'est à peu près posée par personne à l'heure actuelle. C'est-à-dire que tout le monde pose la question de l'autorité de répression uniquement sous l'aspect de son lien de subordination hiérarchique avec le gouvernement. Mais ça n'est pas suffisant pour assurer à la fois la séparation des pouvoirs et la liberté individuelle, ou le respect des droits, ou la garantie des droits, il n'est pas suffisant que les autorités de poursuite soient indépendantes du gouvernement. Il faudrait encore qu'elles soient impartiales. Est-ce qu'on n'a pas battu en brèche, tout de même, François Sureau, une sorte de tradition judiciaire qui impliquait une abstention dans un moment politique capital ? C'est une question très difficile, parce qu'en même temps, si vous voulez... Je pense que l'un des défauts de la France, c'est qu'on est sorti d'un système sans entrer dans l'autre. C'est-à-dire, on a longtemps été dans un système de droit positif. Alors, nos représentants ont voté les lois. Les lois, telles qu'elles étaient, ne prévoyaient pas qu'il fallait s'arrêter de poursuivre 6 mois après avant une présidentielle. On peut le regretter, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que j'observe que très souvent, nous votons des lois, ou nous les faisons voter par nos représentants, et nous reprochons ensuite aux autorités de poursuite, ou aux juges d'ailleurs, en matière d'exécution des peines, etc., de les appliquer. C'est-à-dire qu'on les vote, et puis ensuite on dit, ils auraient dû ne pas les appliquer au nom de je ne sais quelle tradition. C'est un vrai sujet. Moi, je préférerais qu'on pose de manière absolument simple, mais je pense qu'on n'est pas du tout prêt à y arriver, la question de savoir si, par exemple, dans un délai de 6 mois avant une élection présidentielle, surtout après une primaire lorsqu'elle a eu lieu, la poursuite ne peut être engagée qu'au bénéfice de je ne sais quel cliquet où 3 magistrats de la Cour de cassation viendraient se demander si vraiment on peut prendre le risque d'attenter à la liberté du suffrage. Bon, maintenant, tant que personne n'a mis en place cette disposition-là, il est extrêmement difficile, malgré tout, de faire le reproche aux autorités de poursuite de ne pas s'être abstenues. Et Dieu sait si, très franchement, j'ai trouvé choquant qui s'y lancent de la manière dont ils s'y sont lancés, c'est-à-dire 45 minutes après l'apparition d'un article, dans des conditions qui étaient de nature, d'ailleurs, à porter absolument atteinte au crédit de l'autorité de poursuite, comme on le voit à l'heure actuelle. Vous avez été amené à conseiller François Fillon dans cet épisode proprement judiciaire ou... Non, pas du tout. Non, je lui ai, quand il m'a demandé mon avis, je lui ai dit ce que je pensais en matière de... Quelle était pour moi la composition de sa meilleure équipe de défense. Et après, j'ai assisté de manière navrée. Alors, on évolue, ça. J'ai assisté de manière navrée à ce que je considérais être comme, une sorte de confiscation de la volonté populaire. En même temps, j'étais très partagé, parce qu'encore une fois, rien dans le droit positif ne l'interdisait, ne permettait de faire autrement. Puis il existe un principe de l'opportunité et poursuite. Donc ceci me paraissait extrêmement fâcheux. Alors depuis, d'ailleurs, il y a eu d'autres cas absolument identiques, ou analogues, ou du même genre.
De manière générale, je trouve très très frappant que, comme nous avons une représentation morale et non pas constitutionnelle de la vie publique, on se fonde toujours sur des éléments de pure moralité. A-t-il eu raison, eu tort, les costumes, l'emploi de sa femme, etc., etc. Alors que la vraie question me paraît une question de nature complètement différente. C'est-à-dire, peut-on à ce point influer sur l'élection la plus importante de notre système démocratique ? Est-ce qu'il n'y a pas une entorse à la séparation des pouvoirs, avoir des magistrats statués non pas simplement sur le caractère fictif d'un emploi, mais sur le rapport de la rémunération à l'emploi effectif. Tout ceci sont des questions fondamentales que les constituants américains, par exemple, ou anglo-saxons de manière générale, ont extrêmement présents à l'esprit, parce que pour eux, il s'agit au fond de différentes manières d'assurer la souveraineté du citoyen dans ses choix démocratiques. Alors que nous continuons d'avoir l'idée, au fond, que l'État doit être pour nous une sorte de guide moral, y compris dans ses autorités judiciaires. Lors du temps François Sureau, puisque je voudrais à nouveau aborder votre passion fondamentale, c'est la somme d'une vie. En fait, c'est en tout cas... au long de la Seine. Oui, c'est, alors la Seine est un peu un alibi, quoi, si vous voulez. Bien sûr. En fait, il y a deux choses, pour moi, essentielles dans ce livre. Enfin, c'est pas que le livre soit essentiel, mais en tout cas dans la manière que j'ai trouvé de l'écrire. La première chose, c'est... j'ai voulu aller jusqu'au bout d'un rapport particulier, qui est le mien, entre la vie et la littérature. En fait, j'ai commencé à lire il y a près de 50 ans maintenant, à lire sérieusement, et je n'ai jamais cessé. Et au fond, je me rends compte que j'aurais fait ça pour l'essentiel de ma vie, de lire. Et trouver dans cette espèce d'aller-retour incessant entre le passé, le présent, l'avenir, la mémoire, l'anticipation, la littérature, la réalité, une espèce d'aller-retour permanent qui aura été l'essentiel de ma vie intérieure, et j'ai voulu essayer de me mettre au clair avec ça, je veux dire, de raconter, au fond, cette manière particulière qu'on peut avoir de traverser la vie, d'avoir passé sa vie entre les livres et le réel. Et puis, il y a une deuxième chose qui est la France, au fond. J'ai voulu dire quelque chose de ce pays qui est le mien, dans lequel, comme vous, comme tout le monde, je suis né par hasard et pour lequel j'éprouve de plus en plus en vieillissant les sentiments que pourrait avoir un étranger qui aurait décidé de venir y vivre. C'est-à-dire, je suis beaucoup plus séduit par lui que je ne l'étais quand j'étais jeune, et beaucoup plus blessé par lui que je ne l'étais quand j'étais jeune. Si vous voulez, cette lente remontée est une manière de me mettre au clair avec cette espèce d'identité nationale, Dieu sait si j'aime pas le terme, mais toujours mouvante, insaisissable, et qui pour moi reste à présent une des choses les plus précieuses de ma vie, et que pourtant je n'arrive pas à nommer. Beaucoup d'admiration dans ce livre, François Sureau. Et est-ce que vos dilections, qui ne sont jamais banales, ne cherchent pas profondément à se distinguer des choix communs ou non ? Je suis frappé de voir à quel point vous allez naturellement vers des personnalités, vers des œuvres peut-être moins connues, moins fréquentées. Est-ce qu'il y a chez vous quelque chose qui relève peut-être d'une bienfaisante incongruité ou d'une originalité délibérée ? Il y en a pour ça. Alors, il y a beaucoup d'effets du hasard. C'est-à-dire que de temps en temps, je suis tombé sur des personnages de deuxième ordre que j'ai, d'une certaine manière, reconnu comme des frères. Voilà. Le Richelieu de la Restauration, par exemple, l'homme de la construction d'Odessa, j'ai découvert sa vie avec une surprise absolument incroyable, parce que... Voilà. Il y a des choses qui ne sont pas si vous voulez, le commissaire Maigret, par exemple, qui a longtemps été une de mes objets de fascination, ou le Merlin, l'enchanteur des contes du Graal, ou Apollinaire, sont quand même des choses assez centrale et partagée par tout le monde. Mais c'est vrai que c'est une quête de... en fait, ce livre est une quête d'une sorte de fraternité invisible avec des esprits qui me ressemblent. Et de même que dans la vie, au fond, il peut nous arriver à tous de connaître des gens connus et des gens moins connus. Et puis ceux avec lesquels on a les relations les plus étroites, les plus intimes, les plus personnelles, sont des gens que personne ne connaît, au fond. De même qu'on peut être guidé par des sortes de saints invisibles de troisième rang, c'est exactement pareil. Et au fond, à chaque fois, qu'il s'agisse de personnalités de premier plan ou pas,
Je les ai choisis parce que ils évoquaient, ils touchaient chez moi une corde absolument essentielle. Quand j'ai dit qu'il faut suivre sa pente en la remontant, pour moi, la remontée, c'est aller de la manière progressivement la plus sincère possible vers des destinées qui me touchent, fussent-elles raisonnablement inconnues, et alors même que je les aurais découvertes par hasard. Lire et écrire, c'est vivre profondément. Ah oui, ça fait. Oui, pour moi, c'est vivre. Alors, on ne peut pas se dispenser de vivre. Je pense que même un ermite, en réalité, vit. Ouais. Donc, il n'y a pas d'opposition binaire entre l'un et l'autre. Quand on lit ou quand on écrit, on ne cesse pas de vivre. Et pas seulement parce qu'on ne cesse pas de respirer, mais on ne cesse pas de vivre, en tout cas, la vie mentale, la vie intérieure, etc. Et donc, mais pour moi, oui, c'est profondément vivre, c'est comprendre quelque chose, c'est écarter un voile, je pense que j'avais cette conversation le jour avec un ami à propos de Maupassant, qui me demandait pourquoi je n'aimais pas Maupassant. Maupassant était vivant, un immense écrivain, c'est vrai. Je disais parce que j'ai l'impression que pour lui ça s'arrête là. Alors même qu'il décrit des passions exceptionnelles, alors même qu'il décrit l'humanité de manière incroyable, j'ai l'impression que pour lui ça s'arrête là. Moi j'ai toujours eu depuis très longtemps l'impression que la réalité était une sorte de voile posée sur les choses, qu'il y avait quelque chose derrière, qu'il y avait voilà. C'est très Proustien. Oui, absolument. Et donc le fait de d'écarter ce voile, d'essayer de trouver ce qu'il y a derrière, en lisant, en écrivant, comme disait Gracq, en lisant ou en écrivant. Et parce que lire ou écrire est une manière d'écarter ce voile, y compris même dans la vie, me paraît être une destinée éminemment désirable. Dussé-je offenser votre modestie, cher François Sureau, cette dernière question va renvoyer à ma passion politique exprimée tout à l'heure. Autour de moi, j'entends beaucoup d'admirateurs venir vous louer, vous célébrer sur tous les plans qui sont les vôtres, et en particulier, de plus en plus, mais comme ce serait bien si François Sureau se présentait à la présidence de la République. Je le dis sans ironie, vraiment. Je l'entends beaucoup. Mmh. Et qu'en pensez-vous ? C'est amusant parce que vraiment, je suis assis sur ma chaise là. Je suis sur le cul au sens propre du terme. J'en serais naturellement tout à fait. Je vais essayer de vous répondre sérieusement, profondément. D'abord, j'en serais incapable parce que je ne dispose pas ni de la solidité psychique, ni d'ailleurs de la connaissance de la variété des domaines, vous voyez, qu'il faudrait pour se présenter valablement à la présidence de la République. Donc à la fois, je n'ai pas ce qu'il faut pour me lancer dans une course de ce genre, et puis en plus, je ne maîtrise pas, vous savez, mes domaines de compétences dans le domaine de la gestion de l'État, enfin, pas de compétences, fait un peu techno, mais vous voyez, mes domaines sont réduits. Je ne sais pas, nous allons au-devant d'une crise économique et sociale majeure, je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il faudrait faire pour... Et je ne me sens pas du tout capable de prétendre avoir une idée de ce qu'il faudrait faire pour y. Voilà. Donc ça, cet ensemble suffirait à me décourager. Je pourrais vous faire la réponse que ça va dire non, moi je veux avant tout écrire des livres, mais ce que j'ai conservé de sens de l'État et de l'intérêt général fait que, à la limite, je pourrais tout à fait, même par moralité, me dire... si je peux rendre un service, autant y aller. Sauf que je pourrais pas le rendre, parce que psychiquement, j'en serais incapable, et que sur le plan des compétences, j'ai pas ce qu'il faut. Après, il y a une deuxième chose, c'est que je pense que nous avons un très mauvais système. C'est-à-dire que je pense que cette question est mal posée. J'aurais adoré, de manière absolument virtuelle, vous voyez, virtuelle, me dire, ben voilà, c'est très bien, je vais me présenter à la présidence de la République... Et puis je vais changer complètement la constitution et je serai une sorte de président constitutionnel façon Albert Lebrun, René Coty, etc. Je pense qu'il faut en finir avec la confusion des fonctions de chef du gouvernement et des fonctions de chef de l'État. Je trouve que nous ne retrouverons pas une vie démocratique sérieuse, ni même une autorité suffisante de l'État, dès lors qu'on n'a pas séparé les deux. Et donc, moi je veux bien, je vous fabrique une constitution, on la met au référendum, j'inaugure les chrysanthèmes, et ensuite je prends ma retraite. Mais au moins, rendre au pays le service d'avoir...
d'en avoir fini avec ce qui est une singularité européenne, qui est cette confusion des fonctions d'incarnation et des fonctions de gouvernement qui à mon avis, paralyse et l'action publique et le crédit de l'État de manière extrêmement blâmable. Mais voyez, même ça, j'en serais pas capable. Certains vont être déçus, François Sureau, mais je moi, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup.